Bonjour Adrien. Bonjour François. Ben, en tout cas, merci de nous accueillir NetEpic dans ton magasin. Et justement, ben, parle-nous un peu de ton antre Ragnarok, son histoire. Eh bien, ça a commencé par une passion qui est le Warhammer. Mm-hmm. Et principalement Warhammer 40 000 à l'époque. Ouais. Et puis, ben, j'ai eu l'opportunité d'ouvrir, d'ouvrir le magasin, donc j'en ai profité. Il y a 2 ans, je crois. Ouais, ça. C'est ça. Ouais. Il y a un peu plus de quasiment 2 ans et demi. Ouais. Donc c'était beaucoup plus petit au départ. Je faisais que du Warhammer 40 000 avec un tout petit peu de peinture. Et puis après, pour les, on va dire, les besoins de la communauté, il fallait plus d'espace, notamment pour les parties. Mmh. Et surtout plus de références de produits, que ce soit Warhammer, Prince Auguste en peinture. Donc il fallait beaucoup plus de place. Donc je me suis déplacé, j'ai pris ce fameux local où il y a eu le tournoi aujourd'hui. Oui. Pour voir justement avoir une grosse salle de jeu. Et étendre les produits, les gammes de produits proposés au magasin. Et donc maintenant, voilà, ça fait 2 ans et demi que ça évolue et que bah, on propose de plus en plus de choses. Super. Voilà. Et tu connaissais NetEpic un peu avant ou... Pas du tout. Ça a été grâce à un client qui a participé au tournoi à Loïc. Et il est venu chercher de la peinture. Ouais. Je fais des impressions 3D pour justement NetEpic. Ouais. Et la petite taille. La rapidité de la peinture et puis la bienveillance de la communauté m'a attiré. Ouais. Et puis bah, on en a parlé, tu es venu d'ailleurs faire une initiation et puis on a parlé de tournoi. Et voilà, on est là aujourd'hui. Bon, je pense que j'ai un peu la réponse, mais si tu dois jouer une armée NetEpic, tu jouerais quoi? Orc. Ouais. Sans aucun doute. Je me doute. Bah, en tout cas, encore merci pour ton accueil. Avec plaisir. Et puis, bah, maintenant, place au tournoi. Alerte. Erreur système. Intrus dans le secteur. Protocole d'identification. Arcane, joueur expérimenté, à la tête d'une armée Eldar à l'époque. Ilios, joueur en progression, à la tête d'un contingent de chevaliers impériaux. Suorc, joueur légendaire, à la tête d'une armée d'Eldar. Monarque doux, joueur réfléchi, à la tête d'une armée Space Marines du Chaos et Corps. Ça va chier.
Kalia, dieu vivant, à la tête d'une armée squat chaotique. Il est sans pitié. Fast, joueur à potentiel, contrôle une potruche tyrannie. De transmission. Que le meilleur gagne. Bonne chance. Ha, ha, ha.